voulez, c'est ce pouvoir de témoignage. Une ville, en fait, se fait par concrétion. Et ce qui est formidable en architecture, c'est de voir ce qui faisait plaisir à des générations qui ont disparu. Et une ville est formidable, une ville historique est formidable, parce qu'il y a cette succession d'architecture liée aux techniques, liée au désir du moment, liée à la culture du moment, et que tout ça crée des bâtiments qui ne se ressemblent pas tout à fait, qui évoluent. Le XXe siècle a été une véritable explosion d'ailleurs, un peu dangereuse, on peut bien le reconnaître, mais il est important à chaque fois de donner les gages, les témoignages de la culture, des désirs, des volontés qui habitent les hommes à un moment donné. L'un des principaux problèmes pour un architecte aujourd'hui est de savoir le sens que son bâtiment peut acquérir dans un environnement qui souvent est saboté. Saboté pourquoi ? Parce que la plupart des villes, des grandes villes de la planète, sont aujourd'hui régies à peu près par les mêmes règles, qui consistent à répondre à des obligations techniques préalables, des voiries, des autoroutes, des routes, des lignes électriques, des réseaux, des infrastructures. Et tout ce qui est d'ordre sensible n'existe pas à ce niveau-là. Ensuite, on complète tout cela par un zoning en donnant des règles de densité qui sont égales par des secteurs, jusqu'à sur les cartes de géographie. Après cela, toute architecture devient souvent illisible et n'a pas de contexte positif. Et je pense vraiment qu'il faut changer totalement ça. Je pense qu'il faudrait arriver à créer, alors il y a une antinomie dans les termes, des règles sensibles. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer par s'intéresser à l'endroit où on est, à sa topographie, à sa flore, à l'ensemble des paramètres géographiques et climatiques, s'intéresser aux architectures préalables, et à partir de là, donner un certain nombre de recommandations ou d'impositions qui sont liées à des couleurs, à des essences de matériaux ou de végétaux, à des gabarits qui sont plus basés sur la silhouette que sur une hauteur toujours égale, des tas de choses comme ça qui demandent évidemment un autre type d'études préalables. Le jour où on arrivera à ça, on arrivera peut-être à transformer toute la matière qui a été produite dans ce XXe siècle, qui est, il faut bien le dire, souvent catastrophique, puisqu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de distinction, il n'y a pas de qualité de détail, il n'y a pas de lecture d'ensemble, il n'y a plus de stratégie. La seule stratégie était économico-technique. Il faut qu'on revienne aux principes humanistes. Il faut qu'on arrive à vivre correctement, avec beaucoup de plaisir et d'hédonisme dans les différents lieux qui sont créés. Si mon architecture dégageait une certaine sensualité, j'en serais plutôt comblé. Alors c'est vrai que je recherche toujours des dimensions qui sont en relation avec la séduction et avec le mystère. Tout architecte devrait chercher ça. Parce que si on a tout compris en 15 secondes, bon, ça n'a plus d'intérêt. Bon, donc chaque déambulation, chaque détail doit être l'occasion d'une petite surprise. Et chaque découverte doit garder un tout petit peu de secret. Je dis souvent, les projets, c'est un peu comme les courses automobiles aussi. Les 24 heures du Mans, on n'arrive pas à la même place si on a une 3 litres et une 1200 cm cubes. Ça dépend du nombre de chevaux, ça dépend. Bon, à chaque fois, dans chaque situation, on essaie de faire ce qui correspond à cette situation et le maximum dans cette situation. Le contextualisme, c'est aussi ça. C'est aussi essayer de tirer le maximum de chaque situation. Ici, nous sommes au Mont Boron, qui est le point culminant de la Côte d'Azur entre la rade de Villefranche et le vieux port de Nice, et la ville de Nice.
Et comme par hasard, les militaires, quand Nice est devenue française, ont décidé de mettre là une place forte pour contrôler l'entrée de la rade de Villefranche et le vieux port de Nice. Seuls les militaires peuvent trouver des lieux comme ça et les construire, parce qu'en général, celui-là, on ne peut pas les construire, c'est impossible. Il faut des raisons stratégiques pour les construire. Ce qu'il y a de formidable, c'est que ce fort a relativement peu servi. La végétation a poussé dessus depuis un siècle et demi. Les dernières années, il servait à la préparation militaire pour ceux qui faisaient un peu de plongée autour. Et il a été vendu. Avec l'impossibilité de construire, l'impossibilité de démolir, la nécessité de garder la végétation. Donc j'ai dit, ça peut intéresser quelqu'un comme moi pour y vivre d'abord, pour y travailler surtout, et ensuite pour créer une fondation qui sera basée sur le fait que chaque année j'inviterai 10 à 12 architectes à travailler sur les thèmes de la spécificité méditerranéenne. Donc on trouvera des sujets autour de la Méditerranée qui permettent de montrer qu'une architecture peut avoir quelque chose de commun avec une histoire et une géographie. Je préfère transformer, parce que dans la transformation, il y a toujours ce dialogue obligatoire. Et transformer dans le domaine du logement, par exemple, ça amène toujours à des logements qui ne sont pas du tout dans la norme. Ils sont quelquefois trop hauts, trop longs, trop bas, trop éclairés. On ne pourrait pas les faire comme ça. Donc c'est formidable de pouvoir travailler à partir d'une matière qui donne quelques excuses. Bon. Donc ici, j'ai énormément d'excuses et je peux travailler en dehors des chemins battus, des sentiers battus. Oui, ici, dès que j'ai vu le lieu, j'ai commencé à rêver de ce que je pourrais en faire, évidemment. Donc c'est un lieu paradoxal, parce que c'est le lieu de la plus belle vue et où la plupart des espaces n'ont pratiquement aucune vue parce qu'ils sont protégés par une grande épaisseur de terre pour des raisons militaires, de bombardement. Je vais essayer de faire de ce lieu d'ombre un lieu de lumière pour les pierres qui sont à l'intérieur. Et je vais essayer d'utiliser au maximum cette position stratégique pour jouir des vues différentes, et pour cela j'aurais sûrement recours à des architectures temporaires, à des tentes, à des choses qui resteront juste quelques semaines, quelques mois, mais on va pouvoir comprendre où on est et vraiment jouir de l'incroyable privilège que ça représente. Pour moi, c'est une succession de jouissance, c'est un point stratégique pour la compréhension de ce qui est autour de moi. Là, j'ai un vieil héritage avec Paul Virilio et Claude Parent, qui étaient des fans d'architecture militaire, l'architecture des bunkers et tout ça. Et effectivement, il y a dans l'architecture militaire une architecture directe, c'est-à-dire que rien n'est fait pour l'esthétique. C'est un peu comme la Formule 1, finalement, rien n'est fait pour l'esthétique, mais c'est esthétique, quoi. C'est-à-dire que Vauban, c'est Vauban, et à chaque fois, chaque mur sert à quelque chose, chaque situation d'une plateforme comme celle-là est complètement pensée par rapport à des lignes mathématiques qui correspondent aux lignes de visée et tout ça. Donc il y a des règles cachées qui créent une précision et une force. Donc j'aime bien jouer avec ces paramètres-là. C'est en général une architecture très bien construite, très solide. Ici, il y a des énormes voûtes en granit. Je vais faire comme un général. En fait, je vais arriver avec mon matériel et m'installer là-dedans. Et puis changer quelques petites choses, parce que maintenant, il faut y vivre et pas uniquement se défendre. Le design, le dessin d'objets, en fait, est très complémentaire avec l'architecture. Il y a une dimension commune, c'est que ces objets naissent de la nécessité, comme l'architecture. On ne fait pas un objet uniquement pour le plaisir, il va servir à quelque chose. Et il a une réalité économique et une fonction claire. La différence totale, par contre, c'est qu'une architecture est située. Elle est ancrée. Elle ne bougera jamais. Un objet, on ne sait jamais où il va aller. Il va aller se promener dans d'autres âges, dans les architectures qui précèdent. Il va aller aussi se promener dans le futur, sûrement, dans les architectures qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et il faut l'imaginer
dans sa relation avec d'autres objets, d'autres époques, d'autres lieux. Savoir comment il se démarque, savoir comment il marque. Et comment il témoigne aussi. Et comment il témoigne d'une attitude, d'un objet né dans le début des années 2000. Bon, parce qu'effectivement, dans le design, tous ces objets sont datés, on les reconnaît. Les objets des années 30, des années 50, des années 70, ils sont parfaitement identifiés. Et ce qui caractérise le design aussi, c'est de trouver toujours les bonnes raisons de redessiner quelque chose. Moi, je ne suis pas du tout un architecte designer au sens traditionnel du designer. Designer qui est souvent de plus en plus un styliste. C'est-à-dire qui change chaque année en fonction des tendances, etc. Je suis un architecte qui dessine des objets, comme d'autres avant moi. Donc je ne suis pas du tout dans l'hystérie de la reproduction chaque année, de choses automatiquement à faire. Je me demande ce que je vais faire ou pas, bon, et qu'est-ce qui pourrait faire du sens par rapport à la question qui m'est posée. Il commence quelquefois par le fait de mettre des objets comme ça dans mon architecture. On me demande quelquefois du total design et les objets sont édités après. Donc ce design d'architecte, c'est un design de témoignage, effectivement, et d'inscription de l'objet dans une pensée qui est d'ordre architectural. Souvent de moi que je suis idéaliste, donc il y a peut-être un idéal, mais il m'échappe. Non, je voudrais simplement, avec chaque architecture, témoigner d'une époque, témoigner d'une attitude à un moment donné, et dans un lieu donné. Donc ça, c'est un travail hérité, je dirais, d'une vieille phobie de l'école des Beaux-Arts, où on faisait des projets qui n'étaient même pas situés, on ne savait pas où ils étaient, où on était en extase devant le style international. Rien ne s'est vraiment arrangé, puisque maintenant on est dans l'architecture globale avec tous les immeubles parachutés sur les mêmes recettes, clonés. Et ce que je recherche à chaque fois, c'est la pièce manquante. Un site existe, il est construit, il est naturel. Qu'est-ce qui pourrait être construit là, qui donnerait du sens à l'ensemble? Et si j'ai une devise, c'est à la fois faire du sens et du sensible. On découvre quand même de plus en plus qu'il n'y a pas une seule forme d'intelligence. Et le QI a été récemment corrigé, pas si récemment d'ailleurs, au moins une décennie ou deux, par le QE, quotient émotionnel. Donc on ne serait pas intelligent uniquement parce qu'on comprend les choses, mais parce qu'on les ressent bien aussi. Donc je crois que tout ce qui est de l'ordre des affects est aussi important que ce qui est de l'ordre de l'intellect.
il est complètement essentiel pour un architecte de mettre les deux en relation. On ne peut pas faire une architecture qui serait basée uniquement sur les impressions sensibles et oublier le sens et de la construction et de la situation et de l'économie et je sais pas quoi. Donc je crois qu'architecte, ça implique de prendre en compte les deux faces de la question. Les deux faces impliquées par l'acte architectural, qui est aussi bien un acte intellectuel froid qu'une architecture à la limite sentimentale. Moi je crois à l'architecture sentimentale, je crois à l'architecture qui prend en compte les plaisirs qui vont être ceux de ceux qui vont vivre dedans, les plaisirs de ceux qui vont la visiter temporairement, les plaisirs de ceux qui vont la voir dans la ville et en être les voisins. Je suis pas trop dans le genre à m'intéresser à l'intuition. Je suis plutôt du genre à trouver toutes mes bases, à bien regarder ce qu'il y a autour de moi, à bien analyser. Et puis après, je commence à imaginer à travers des données aussi très pragmatiques, parce que l'architecture est un art totalement pratique. Hein. Si on nous demande quelque chose, c'est parce qu'il y a une fonction derrière, une fonction sociale. Et la première chose qu'on nous demande, c'est de répondre à cette fonction. Mais je commence toujours à me poser la question, quand je connais tout ça, à la question de savoir ce qu'on pourrait donner en plus, quelquefois sans qu'il s'en rende compte. Un petit cadeau de l'architecte, comme ça, quelques petites sensations qui n'intéressent a priori que moi ou que quelques esthètes de passage. Et je crois que l'architecture, finalement, existe dans ces conditions. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités pragmatiques, on répond uniquement à ce pragmatisme, ou en même temps, on fait passer autre chose. Que ce soit clair, je suis un hédoniste. Je ne le cacherai pas plus longtemps. Donc j'aime profiter des plaisirs de la vie, et les plaisirs de la bouche sont effectivement très importants pour moi. Mais ça correspond aussi à un rituel culturel. C'est-à-dire que je viens du Sud-Ouest, et dans le Sud-Ouest, toutes les choses importantes se placent autour d'une table. Donc moi, je pense que j'arrive à éliminer une grande partie du poids des choses, du stress, en travaillant dans des conditions hédonistes, comme ça. C'est-à-dire, je travaille souvent avec mes équipes autour d'une table, et les réunions durent, et on mange, et on boit, et on discute, et voilà. Et je crois beaucoup aussi au pouvoir des rencontres, à la réflexion de groupe. Donc je suis souvent entouré de personnes qui me conseillent, de personnes qui travaillent avec moi, que chacun parle. Après, j'essaie de trier le bon grain de livret. Je n'ai pas une opinion générale sur l'humanité, ça ne me ressemble pas. On ne peut pas aimer les spécificités et dire j'aime les hommes ou je ne les aime pas, je suis philanthrope ou misanthrope. J'ai une opinion sur chaque personne, où j'essaie de me la forger. Et cette opinion, elle est liée à la rencontre, elle est liée à la connaissance des attitudes de ces personnes. Pour moi, toute personne que je rencontre est a priori une chance, est a priori l'occasion de découvrir qu'il y a quelque chose. Je trouve que les bâtiments comme les villes, c'est comme les personnes. Ce sont des rencontres et ce sont des personnalités complexes. Et ce qu'il faut aimer, justement, c'est la différence qu'il y a entre toutes ces personnalités et ne pas essayer de les classer. Généralement, la rencontre de la nature et de la technologie est poétique. J'avais fait un projet sur le parc de la Villette, comme ça, qui était basé sur les lignes électriques, les ponts roulants au milieu des arbres. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau aujourd'hui que les grandes lignes électriques qui traversent les montagnes, comme ça, alors que les gens considèrent ça comme une pollution. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de très émotionnel dans ce rapport qui correspond à un instant de l'histoire en relation avec la permanence de la nature, comme ça. Donc j'aime bien jouer effectivement de cette rencontre.
Et la nature permet aussi de jouer sur le sur la sensation d'éphémère. Ça permet de sentir les saisons, ça permet de sentir la pluie, ça permet de sentir des tas de choses qui sont liées à l'instant. Et un bâtiment comme celui de la Fondation Cartier, par exemple, est basé uniquement sur le reflet de la végétation dans les arbres, qui superpose aux arbres eux-mêmes. Et là, chaque variation de lumière, chaque saison, chaque heure, crée quelque chose de différent. Donc l'architecture est permanente. Pendant très longtemps, faite de pierre et de quelques jeux d'ombre, elle avait un visage quasiment permanent. Aujourd'hui, avec les techniques liées au verre, à l'acier, on arrive à faire des bâtiments qui sont des infiltrations dans le paysage, qui sont des reflets du paysage, qui sont des interprétations ou des miroirs du paysage. J'aime bien jouer de la présence de cette technique quand elle révèle la sensibilité du paysage ou de certaines espèces d'arbres ou d'herbes même, puisque à la Fondation Cartier, il y a des milliers de plantes qui sont plantées là pour simuler un milieu qui est naturel et qui en fait est complètement composé. Je dirais que l'architecture n'a de sens que par rapport au temps. Donc je suis beaucoup plus préoccupé par le témoignage de l'instant. Je suis beaucoup plus préoccupé par le présent que par le futur. Et à la limite, plus intéressé par le passé que par le futur. Parce que le présent naît du passé, évidemment. Il faut trouver une continuité, une harmonie avec lui. On est obligé de fonctionner avec ce qui précède, avec ce qui est déjà là. Hic et nunc. On est vraiment ici et maintenant. L'architecture est toujours témoin d'un moment. Et l'architecte est terrorisé par le temps. Parce que quand on sait que pour construire un bâtiment important, il faut 7 ou 8 ans, on se rend compte que dans une vie, on ne peut pas en faire autant que l'on voudrait. Ça va moins vite que les romans, souvent. Et on est obligé de prendre en compte cette dimension à la fois de témoignage qui correspond bien à un regard à un moment donné. Puisqu'évidemment, 10 ans ou 15 ans après, on ne fait pas la même architecture au même endroit. Puisque d'autres paramètres sont intervenus, d'autres techniques existent, le site a changé, les questions théoriques du moment ne sont pas les mêmes, donc les symboles pertinents ne sont pas automatiquement les mêmes. Donc l'architecture change et n'a de sens que parce qu'elle est datée. Je ne crois qu'aux architectures datées. À chaque fois qu'on me dit « votre architecture n'a pas d'âge », je suis un peu inquiet. Je pense qu'elle a un âge. Et je pense qu'à chaque fois, elle fait de sens uniquement par rapport au moment où elle a été créée. C'est ce qu'il y a de formidable dans une architecture, c'est la quantité de vie qu'elle a pu protéger et recueillir. C'est dans quelles conditions elle est née, pour quelles raisons elle est née. C'est ça qui crée l'architecture. Évidemment qu'un architecte est daté, lui, il l'est automatiquement. Je sais que mon temps est compté. Entre 60 et 70 ans, c'est l'âge d'or des architectes, s'ils arrivent à arriver jusque-là. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils ont déjà fait quelques preuves, on sait déjà ce qu'ils savent construire, on sait à peu près à quoi s'attendre, la confiance est là parce que l'expérience est là. C'est un moment où on a la conscience totale de la rapidité des choses. Que la vie est forcément brève. On se dit qu'il faut utiliser ce temps-là. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Bon. En même temps, je me sens évidemment, comme tout le monde, un peu plus fragilisé, un peu plus incertain. Et c'est peut-être ça qui me donne le plus envie encore de créer des dernières choses, entre guillemets, où je peux me servir de mon expérience et de mon ambition aussi. Donc,
on se dit que c'est un âge d'or et qu'il faut s'en servir et qu'il faut construire à ce moment-là. Et c'est pas le moment d'être fatigué. Bon. Mais en même temps, il y a toujours la question de savoir pourquoi un bâtiment de plus. Bon, c'est, je pense que, qu'un auteur ou un peintre a toujours cette question aussi. Donc, où la question est intéressante et les choses se font, mais je ne crois pas trop à l'architecture automatique, autrement dit le fait de devoir faire des choses par obligation. J'espère ne jamais être dans une situation qui est celle d'une contrainte pareille. Si j'ai un rêve, le rêve que je pourrais avoir est toujours celui de faire passer dans la réalité quelque chose qui serait onirique. Et je pense qu'un architecte, c'est quelque chose comme ça, c'est un passeur. C'est quelqu'un qui commence par rêver quelque chose et qui prend tous les moyens pour le faire passer du rêve à la réalité. Donc pour moi, le rêve est toujours le prétexte ce passage. Quand je rêve quelque chose, je me dis comment je pourrais faire en sorte que d'autres le partagent, donc comment je pourrais le faire passer de l'autre côté.